pas de la bobe fantasing à la prod. Oh, c'est qui a le micro? Zéro, c'est le. Ah, ni chérie, je me bloque. J'ai dit, je bloque. Elle ou elle, j'attends, je bloque, je bloque. Bossu, regarde, il est descend. Descend, descend, descend. Bossu, regarde, il est descend. Tout ce que Tamsi nous a appris, il a tout oublié. Tout de suite, là. Tout de suite, là. Moi, mon affaire de danse, c'est un problème. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de NCI Fête la Canne. Merci de nous suivre nombreux. Tu sais que les gens sont nombreux à nous suivre. Tout à fait. C'est un truc de ouf, parce que NCI, c'est la chaîne en question. Je n'arrête pas de le répéter. Et vous pouvez nous suivre depuis chez vous, sur Facebook et sur MyNCI. Tout à fait. Alors, nous, on a fini. Hein, oui, juste. On a fini. C'était agréable, c'était cool, c'était bon, n'est-ce pas? On s'est bien amusé, on a appris quelques pas de danse avec Tamsir et on va laisser la place à Gliss et Zongo qui vont vous entretenir aussi pendant une heure, je pense. On va accueillir Gliss plaît, hein, et Zongo. Destination touristique, ok. Le pont de Via, c'est chez nous. La plus grande basilique, c'est chez nous. La paix des sirènes, c'est chez nous. La forêt du Banco, c'est chez nous. Coupé, décalé, tout saga. Saga. Encore des lions dans nos sabas. Saba. Allons à la Sini Mafia. Mafia. Tu n'es pas au courant, ok. Côte d'Ivoire, c'est zo. 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 Yeri, Côte d'Ivoire, c'est zo. C'est zo. C'est zo. C'est mon pays, les gens parlent plus le treillis. Nous on vit dans la paix. Comment va l'église? Ça va super, ça va, est-ce que ça va? Non, je pense qu'ils sont plus chauds ici que là-bas. C'est vrai. Ça va, c'est vrai, c'est vrai. Attendez, on va supposer qu'on a déjà gagné le match de tout à l'heure. Donc on fait trois fois wow. Premier wow, wow. Et puis wow. On y va? Wow! Wow! Suppose qu'on a gagné le bac de tout à l'heure. Oh, c'est pas le bac de tout à l'heure qui est l'objectif final, c'est la canne, c'est la coupe. Mais faut bien commencer quelque part, Zongo. Alors, les amis, on suppose que le soir de la finale, on a la coupe en main et envie de monter. Hey, hey, hey. Les supporters d'éléphants, et on est tous des éléphants. Donc ici, là, devant, derrière, on suppose que la canne finit, qu'on a la coupe dans la main, et on a envie de crier pour que le monde entier nous entende depuis au-delà du delà, de tous les delas, au-delà, dans son au-delà. Wouh! Deux, trois. Todo.
en fait, la canne. Effectivement. Où est-ce qu'on va, hein? Alors, on va parler de Cannes. Mm-hmm. Et pour parler de Cannes, on va se faire un petit voyage dans le temps. Parce que tout n'a pas commencé que maintenant. C'est vrai qu'on a eu notre deuxième étoile en 2015. Oui, mais avant elle, on a eu notre victoire, notre étoile historique, la première, la toute première. Qui nous permet de rentrer dans l'histoire. Exactement. C'était en 1992. Et ce soir, on est privilégiés. Parce qu'on a deux témoins oculaires, des personnes qui ont vécu l'expérience des footballeurs hors pair, des légendes vivantes, des figures iconiques du sport made in Côte d'Ivoire qui sont avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, avec tout l'amour que vous avez pour la Côte d'Ivoire, pour le football, pour les éléphants, on va accueillir ici deux messieurs. Deux messieurs qui ont joué avec leurs pieds et quelque part, il y en a un qui a chanté aussi avec sa bouche. Vous avez dansé. Il y en a qui étaient encore petits, 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 mais comme la Côte d'Ivoire, c'est une continuité. Donc, 92, ça vous dit quelque chose? Sénégal, 80... La sortie. Alors, mesdames et messieurs, ils sont deux. Bliss, qui a merci, son retour en premier? Merci d'accueillir le footballeur intergénérationnel, celui qui sera toujours dans notre cœur quelque part, mais aussi dans notre tête par sa voix, Monsieur Gadjissani. Alors, où est-ce qu'on va encore glisser? Et puis notre deuxième... Quand même, ah bah oui, quand même, notre deuxième invité est tout aussi légendaire. C'est une figure emblématique, comme je le disais tout à l'heure. Mm-hmm. C'est un pilier, un pion sûr. Quand on parle de sport made in chez nous, c'est une signature tout simplement. Merci d'accueillir Thierry Joël. Président, pour avoir déjà présenté deux, trois de ses concerts, et puis je connais depuis. Mais c'est la toute première fois que je rencontre Thierry Joël et que je peux lui faire la bise comme ça. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Je vais refaire une deuxième fois. C'est Thierry Joël, les gars. Franchement, n'est-ce pas, Zongo? Si, Ness. Alors, c'est une histoire quand même assez particulière. Elle commence en 92. Pas facile quand même, parce que vous êtes une équipe, on va dire, outsider. Personne ne compte sur vous. Les paris ne se bousculent pas du tout. Vous partez déjà d'une préparation qui est bâclée. On va dire ça comme ça. Vous vous préparez entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Et il se trouve qu'il y a des problèmes d'intendance, il y a des problèmes de disponibilité de stade. Et donc vous vous retrouvez, d'après ce que Alain Gouamelé dira plus tard, à vous entraîner sur la pelouse de vos hôtels et à courir sur la plage. Je vous explique en français facile de quartier précaire. Ça veut dire que quand il préparait la CAN... 92. Tu vois, tout était réuni pour que ça ne marche pas. Ils sont même arrivés là où ils doivent s'entraîner et il se trouve qu'il n'y a même pas de stade, il n'y a pas d'endroit où courir. Donc, ils sont en train de courir sur la plage pour s'entraîner pour aller prendre la coupe. Continue. Exactement. Mais déjà, sur ce point-là... Je veux dire, à ce moment-là, est-ce que vous, votre état d'esprit, il est comment à cette période-là? Est-ce que vous êtes déjà galvanisé? Vous vous dites, c'est pas grave, quelque chose qui va arriver, on va le faire? Ou vous êtes un peu découragé quand même? Merci NCI. Je voudrais rendre gloire au Seigneur pour ce moment qui permet et saluer le chaleureux public qui est ici. Et effectivement, quand tu te prépares pour une compétition africaine comme la CAN, les difficultés que nous avons rencontrées étaient énormes. Donc, vous savez, on avait quelqu'un devant nous qui nous poussait, qui n'arrêtait pas. Entre autres, ça c'était un petit problème. Il y avait beaucoup d'autres problèmes par derrière, en fait. Oui, il y avait beaucoup d'autres problèmes. Mais par rapport à ces problèmes, je disais,
on avait quelqu'un devant nous. C'était qui? Un grand frère qui nous poussait, qui passait de chambre en chambre, les enfants, les jeunes. Où on va là? Il faut qu'on revienne à la coupe. Je voudrais ici qu'on acclame notre capitaine Gadji Sely. Vous savez, c'est avec beaucoup d'émotion, mais je pense que le travail qu'il a fait au sein même du groupe et en dehors du groupe, parce qu'à un moment donné, cette affaire est arrivée jusqu'à la présidence. Mais bien sûr, parce qu'il y a un problème avec l'entraîneur. À l'époque, certains au sein du gouvernement veulent remplacer Yo Martial par Philippe Troussier. Et vous, vous allez vous interposer, vous allez dire que vous voulez maintenir Yo Martial, en fait. Mais c'est parce que l'équipe était soudée. Moi, ce que j'ai envie de demander au président, c'est quel rôle on joue en ce moment-là? Parce qu'on est à la tête de l'équipe et on sait que derrière, il y a le gouvernement qui a la responsabilité, qui met la pression. Et dans le gouvernement, il y en a qui disent non, on veut Troussier, c'est un blanc, c'est un français, c'est plus voilà. Et il y en a qui disent non, on a commencé avec Yeo Martial, on va avec Yeo Martial. Et vous, en tant que président, en tant que leader, c'est quoi le rôle que vous jouez là? Merci. Merci. Ovation pour le président quand même. Je voudrais remercier Thierry Joël pour ce qu'il a dit à propos de mon rôle que j'ai joué. C'est pas facile. C'était pas facile pour nous. C'était pas facile. La Côte d'Ivoire n'était jamais rentrée dans l'histoire des vainqueurs de la CAN, alors que la Côte d'Ivoire est un pays de foot. Un pays qui regorge de beaucoup de grands footballeurs. Ce n'est pas parce que les autres n'étaient pas à la hauteur, mais il y avait des problèmes au sein de chaque groupe qui composait l'équipe. Donc ça dérangeait un peu, ça nous amenait toujours à la défaite, et puis on n'était pas toujours capable d'atteindre l'objectif. Et je voudrais aussi ici rendre hommage au groupe. Le groupe qu'on a eu était un groupe soudé. Soudé, c'est un secret que nous voulons passer à la jeune génération qui va nous représenter demain, aujourd'hui, ce soir, et demain, à la finale, pour gagner la Coupe. Il faut être soudé. Il faut taire les individualités aussi. Oui, il y a, dans notre équipe, Thierry Joël, c'est un grand attaquant. Il a joué au Stade d'Abidjan, il a joué au Havre, il a joué il était meilleur buteur en Europe, en France. Donc, il y avait Aboulaye Traoré. Ben Badi, que vous connaissez. Il y avait Youssouf Fofana. Youssouf Falikou Fofana, le diamant noir en son temps. Le diamant noir. On avait Ben Salah, Oumar Ben Salah. On avait des grands joueurs. Akakwame, Sama Bo Dominique, Alain Gouamene. Gouamene, oui. On avait une équipe. Qui n'a pas encaissé un seul but pendant la compétition en 92, ouais. Quand même, c'était extraordinaire. Oui, c'était extraordinaire. Alors qu'il n'était pas, à 100% de son, voilà. De son état. Et pour ramener cette équipe à être solidaire, il fallait parler avec chaque élément. Il fallait leur faire comprendre l'essentiel qui était de gagner la Coupe. Parce qu'au sein de chaque groupe, il y a des problèmes. Il peut avoir des problèmes d'ego, des problèmes de jalousie, des problèmes parce qu'on parle trop de tel type. Ou il y avait des problèmes d'ASEC Africa aussi. Hein. Ça. ASEC Africa, à l'époque, les joueurs d'ASEC et d'Africa se retrouvent en équipe nationale. Ça boude un peu des fois parce qu'au match passé, on s'est tapé. Et on se regarde mal, on se retrouve en équipe nationale. Il fallait former une famille, une équipe. Et mes jeunes frères, parce que moi, j'ai été en équipe nationale depuis 1980. Quand même, hein? Ah, ça s'applaudit, ça. Et moi, j'aimerais bien entendre le reste, la suite de cette histoire, parce qu'on est aussi là pour remonter le temps. Mais il y a de la musique aussi pour vous faire plaisir ce soir. On a ramené l'un des groupes les plus successful, hein, ces 10 dernières années, en termes d'hommage, de célébration du sport. Leur chanson est aussi un hymne, en quelque sorte. Et donc, ils ont toute leur place sur ce plateau ce soir. Merci d'accueillir. C'est qui ça? C'est qui ça? Oh, my God.
C'est qui ça? C'est la chorégraphie derrière. Et exactement. Merci pour cette prestation. Voilà. C'est dur de voir le président danser, mais de temps en temps, on arrive quand même à le sortir de sa chaise et de son confort. C'est un président. Ouais, mais on va encore le sortir de sa chaise, cette fois-ci pour autre chose. Tu sais qu'on l'appelle pas le king par hasard. Non. C'est parce qu'il a réussi tout ce qu'il a fait dans sa vie. Au foot, il était excellent. Mais à la chanson. King, veut, ah bah oui, excellent encore. Le king est sur scène ici, là, maintenant, sous vos applaudissements. Comme un lilé, 88 et n'a pas l'envers.
motema Basuye kao inga sima lele sima Maroke ya kao inga sima lele sima Basuye kao inga sima lele sima Maroke ya kao inga sima lele sima Baby, seen it.
Glisse. Alors, vous suivez NCI, faites la canne. On fait la canne, on célèbre la canne avec deux. J'aime pas dire ce mot dinosaure, mais bon, c'est pas grave, c'est lui qui est sorti. Bon, deux dinosaures quand même. Les dinosaures, les gens vont se rappeler des dinosaures qui a fait le truc quelque part là-bas. Et donc, on part, mais on fait aussi la fête avec des artistes qui viennent et qui repartent. Peut-être moi, encore remonter le moi, temps. J'ai une question. Oui, vas-y. Théi. Bon, aujourd'hui, c'est ton tante Théi Joël, quand même. C'est le pasteur Théi Joël aussi. Oui. Ah ouais, ok, d'accord. En 92, le président Addo était premier ministre, à son temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a dit après que vous ayez remporté la coupe? Est-ce qu'il est arrivé que vous voyez? Est-ce qu'il est arrivé qu'il rencontre l'équipe et tout? D'abord, ce que je voulais dire, notre président, il a cette chance-là. Il a gagné déjà deux Coupes d'Afrique. Hein. Bah ouais, quand même, hein. 92 et 2015. Voilà. 92 ans étant premier ministre. 92 en étant premier ministre, oui. Et puis en 2015, voilà, en étant le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais c'était une fête. C'était une fête parce que c'est lui en premier qui nous a reçus quand on est arrivé de Dakar. Ouais, bon, voilà, c'est le gouvernement, il faut le protocole. Et il nous a reçus, félicitations. Voilà, on a c'est lui qui va donner les 5 millions et la villa. On va revenir sur les 5 millions et la villa. Les 5 millions et la villa. Voilà. Bah oui. Nous, voici ce qu'on a fait. On s'est dit, on ne pouvait pas vous recevoir et puis ne pas ramener cette époque. Donc, on est allé demander audience. Ça fait 3 mois qu'on dort devant la présidence. Et puis le président a dit non, si on avait le pied de grue. C'est pas un souci. Je viens. Mesdames et messieurs, vous êtes le président. Monsieur le président de la République. Allô! Merci beaucoup. Alors, je suis très heureux, je suis très fier des Ivoiriens. Vous pouvez vous ovationner vous-même encore. D'accord, vous savez, je me rappelle quand je vois ces deux grands, je me rappelle de 92, il y en a là même qui veulent sortir. Alors, mais c'était une grande émotion. Président, remontez le micro. Voilà, c'était une grande émotion. Ils ont mouillé le maillot. Ils ont mouillé le maillot et comme il a dit, je les ai reçus. Et déjà même, je n'étais pas président, mais j'avais déjà cette envie de leur partager des milliards. Alors, j'avais cette envie, mais en ce moment, j'étais chasse. Alors, président, aujourd'hui, vous êtes là. Merci. En 92, ouais. Ils ont reçu des villas. Chacun une villa. Oui, et puis, oui, avec 5 millions. Avec 5 millions. Aujourd'hui, on est en 2024. Oui. Président, oui. Si on remporte la coupe, les joueurs, les footballeurs, là, qu'est-ce que. Enfin, ne dévoilez pas tout, mais qu'est-ce que vous prévoyez? Alors, c'est vrai, mais André, que vous étiez dans l'antichambre. Hein? Alors, moi et mon épouse, ma Blanche Colombe, que tout le monde connaît, ma femme Carmen. Nous avons énormément discuté de cela. Elle m'a même dit de ne pas vendre la mèche, mais Dodo, s'il te plaît, je vais donner un peu seulement. Voilà, juste un peu. Nous avons décidé que si les Ivoiriens remportent cette coupe, il y aura chaque joueur, jusqu'à l'encadrement et l'entraîneur, chacun aura un échangeur dans son salon. Quel genre de maison? Mais oui. Parce qu'en 92, il y a une anecdote. Bon, on a entendu un bruit. Nous, on n'était pas là. On ne peut pas savoir si c'est vrai ou faux. On dit que les joueurs, là, on les a lavés. On dit qu'on les a amenés quelque part pour les laver. Les préparer, en fait, mystiquement. Les laver. Mais Gagui le sait, Thierry Joël, les Ivoiriens, c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. Les gens racontent des choses qu'ils n'ont pas vues. Vous savez, quand ils ont remporté la Coupe, je les ai reçus. La première des choses, je les ai conduits chez le président Oufouette. Et je crois, 2 jours après, ils ont décidé d'aller voir
Et puis à son âme, le président Henri Colin-Bédié, qui croit qu'il était président de l'Assemblée nationale. Et quand ils sont allés, tu sais, Bédié, on l'appelait un jeu bas. Partout où il est, il pleut. Donc c'est quand ils sont allés le voir qu'il a plu sur eux, ils étaient mouillés, on dit on les a lavés. Les gens disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Il faut dire, on les a préparés. Ils ne sont pas, bananes quand même qu'on va préparer, n'est-ce pas? C'est des grands joueurs. Alors, Président, nous sommes à quelques heures de l'ouverture officielle et puis du match d'ouverture qui est un rendez-vous important pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez à dire à toute la population? C'est que vous avez déjà dit de belles choses, mais là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que vous avez à dire aux joueurs, aux encadreurs, aux Ivoiriens, aux éléphants? D'abord, je voudrais rappeler à tout un chacun, ça spéculait hein, sur les réseaux sociaux qu'on ne sent pas la CAN. Mais dès 6 heures du matin, mais Abidjan sans ballon. Vous avez vu? Les drapeaux, je connais un voisin ministre qui a changé ses rideaux en drapeau. Vous voyez? Donc, la CAN se vit, la CAN se sent. Ce que je peux dire d'abord dans un premier temps aux supporters, c'est-à-dire à la population, c'est d'encourager nos éléphants, de les galvaniser. Ils ont besoin de votre soutien. Vous savez, j'ai eu appelé le capitaine Alain qui m'a dit « mais la pression qui est sur eux, ce n'est pas facile. Ils ont besoin de votre soutien. Mouillez les maillots, chers Ivoiriens. Nous vous soutenons à Ambicofé. » Mais président. Déplacer la CAN à cause de la pluie. On dirait que la pluie est en train de suivre. Président, qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Pour la pluie? Non, mais soyez sereins, restez tranquilles. Je suis le président Ado. Voilà. Il n'y aura pas de pluie ce soir. Il n'y aura pas de pluie. Voilà, ici, il n'y a plus de degré, il y a un problème avec ça. Merci beaucoup. Merci, président. Votre pronostic? Parce que le soir, là, tout le monde a dit 1-0, 3-0. Vous-même, vous dites quoi? Là, moi, j'ai dit aux éléphants de mettre tous les buts, même de 2025, mettez ça maintenant. Mettez ça tout le long de la CAN. 2025, on verra. Mais même les buts de la CAN prochaine, mettez tout dans cette CAN. Mouillez les maillots. Il faut que les Ivoiriens, ça dit des buts, guérissent ceux qui sont malades chez eux à la maison. Hein? Voilà. Merci, président. Merci, monsieur le président. Excellence, monsieur le président. Merci. Zongo, oui, hein. On a une étoile montante de la musique ivoirienne, une pétillante, ravissante demoiselle. Elle sait super bien danser, elle chante très bien également. Elle s'appelle. Ouais, bah oui, elle est d'orange vêtue, évidemment, pour faire l'actualité. Merci d'accueillir Hilary. Hilary. Non, jamais eu de sponsor. Juste pour lui. L'immaturité a pris la place de Mouyemayo. Quand tu seras chic, quand tu vois, tu sais. J'ai dit. Deposit, 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 la pantera.
Youssouf Fadiga, mais Fadiga. Glissant. Quand je dis mouillé maillot, vous remontez mouillé. Ah, mouillé maillot. Éléphant mouillé maillot. Super. On va parler un petit peu encore avec le président Gadji. Mais en fait, moi, je veux savoir. Toi, tu sais ce que tu veux savoir depuis. Vraiment, en fait, cette affaire, ils ont lavé les éléphants. Voilà, depuis, il me dit, il faut qu'on leur demande. Son temps. Maintenant, comme le président est là aujourd'hui. Et comme il est devenu pasteur, peut-être qu'il va nous dire la vérité maintenant. Donc, est-ce que c'est le moment de la confession? Est-ce qu'on vous a lavé? D'abord, avant de parler de. Du lavage. Voilà, de la douche. Je voudrais relever quand même un petit fait. On en a parlé tout à l'heure par rapport à la cohésion, comme Gadji le disait. Mm-hmm. Dans une équipe, il y a deux choses. La première chose, il y a le collectif. Voilà. C'est un football collectif, c'est pour ça qu'on joue à 11. Mm-hmm. Et dans ce collectif-là, pendant un match, quand ça ne va pas, il y a un capitaine qui vient laver les autres. Et dans cette équipe, il y a des individualités. Mm. Voilà. À notre époque, ça nous a beaucoup réussi parce que quand c'était difficile, on avait des individualités qui faisaient la différence. Mmh. Voilà. Et je pense que ça, en 92, ça nous a porté chance. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'était pas l'équipe... Favorite, hein, outsider. Favorite, mais, et j'ai ça dit à... Tout le monde vous détestait. Gens, même si on jouait la finale 10 000 fois, on allait la gagner parce que c'était notre année. Ouais. Revenons sur le lavage. Le lavage. Non, mais je voulais dire que... D'abord, je dois saluer aussi le ministre Diby, depuis sa position. Dès qu'on parle de lavage... Oui, mais quand le lavage, là, c'est un rapport... Je le dis parce que, honnêtement, on ne nous a pas lavé. Ah bon? On nous a pas lavé. Mais d'autres, tu as des informations? Non. Il y a un éléphant de 92 qui s'appelle... Oui, qui s'appelle... C'est Cyril... Il y a un qui a fait un livre. Didier Otokoré a fait un livre. Et puis il dit qu'en fait, le lavage, c'était un coaching mental. Que ce n'est pas parce qu'il y avait quelque chose véritablement pour laver, mais il fallait mettre les gens dans une disposition. Donc, on a fait croire à tout le monde qu'on va vous laver. Et lui seul, comme lui, il venait de Beng de France, il voulait se jouer les chocos, il ne voulait pas rentrer dedans. Et il dormait avec Youssouf Fofana et on est venu lui dire, si tu ne laves pas, ce qui va arriver à l'équipe, là. Oui, en vrai, il n'y avait rien de mystique. Si, il est pasteur, attention, il ne faut pas mélanger les choses. Alléluia, ouais. Alors, dans toutes les équipes nationales, comme club, en club, ici, en Afrique, on a toujours recours aux féticheurs. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dans toutes les équipes. Nous, on estime que ce sont nos valeurs qui jouent. Mais mentalement, quand on vient te dire qu'il y a quelqu'un qui est arrivé avec un seau d'eau rempli d'herbes, de machins, il faut... Une décoction bizarre voilà, que tu connais pas. Bizarre. Pour l'ambiance du groupe, si tu ne le fais pas, s'il y a défaite, on peut t'imputer la défaite. On peut dire, c'est passé, tu t'es pas... Tu n'as pas accepté, c'est toi qui as gâté tout. Donc, deux fois dans le groupe, on obligeait les joueurs à le faire. C'est de ça que Didier Otokoré voulait parler. Les gens comme ça nous ont suivis. Moi, j'ai fait Côte d'Ivoire 84, ici en 84. Même dans nos vestiaires, il y avait des gens. Il y avait des dames, des femmes, incantations, machin et tout. Mais on a perdu. On a perdu au premier tour. C'est vrai que les gens en face aussi étaient puissants. Voilà. C'est pour ça que c'est fait qu'il coupe faire. C'est pour ça que nous, on se réfère plutôt à Dieu.
Parce qu'au-dessus des féticheurs, il y aura Dieu. Qui a donné la force mystique à ces gens? On pense que c'est Dieu. On se dit c'est Dieu, donc. Parce que si tu prends un féticheur, que l'autre il prend un féticheur plus fort que ton féticheur, tu perds. Mm-hmm. Donc tu ne sauras jamais si le féticheur, là, c'est lui qui a fait que tu as gagné ou que tu as perdu. On est parti en Égypte en 86 avec des féticheurs dans l'avion, ils avaient froid. Le fétiche n'a plus rien fait. On est arrivé en Égypte, quand on a perdu, ils ont dit non, c'est l'avion qui a fait parce qu'il faisait trop froid là-bas, ça a tué les. Le fétiche était déconnecté. Voilà. Toi, tu as envoyé féticheur en pyramide. Tu es fort quand même aussi. Féticheur qui a quitté à Korogo. Un vieux, c'est nouveau qui a quitté à Korogo, il s'est retrouvé dans l'avion, voilà en Égypte. On retient de ça que. Le masque. Alors, on va permettre au président de faire sa deuxième et dernière prestation pour ce soir. Quand on l'a, il faut en profiter au maximum parce que ça n'arrive pas tous les jours. Donc, on va en abuser un peu. Deuxième prestation de le King Gadji Selly sous nos applaudissements. Bon, maintenant, là, toutes les filles. Attends. Toutes les filles, les femmes, levez-vous, les femmes. Attends. Les femmes d'ici, à partir de maintenant, vous êtes nommées danseuses. Mettez-vous en place. Venez. Mais non, on va danser avec le King. Approchez. Les hommes, asseyez-vous, on vous connaît. Voilà. Les femmes, voilà. Le président chante les femmes. Mais alors, la chanson, c'est pas à Moudjou quand même. On s'en fout. Mais tant que c'est le président qui chante, c'est okay. Glamour. Voilà. Moi, allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, show.
Cette journée, en tout cas, juste après nous, tu sais, c'est qui vient? Ouais, je sais qu'il y a deux fous qui viennent après, ouais. Bon, on verra bien. Il y a une folle et un fou. Il y a Yasmina Reda qui sera là tout à l'heure avec Molokoko DJ. Donc, ils vont s'installer. Mais on a quand même le temps de prendre deux dernières anecdotes quand ouais. Avec Président Gadji et Thierry Joël. À cette époque-là, quand vous avez gagné, quand vous avez remporté la coupe et tout, de quoi est-ce que vous vous rappelez qui était remarquable, qui était marquant, qui était mémorable, en fait, comme anecdote? Écoutez, l'accueil du... La population. La population. Comme on le disait, on n'était pas les favoris. Et quand on a gagné, arrivé même déjà à l'aéroport, quand Gadji est sorti avec la coupe, mais de l'avion, enfin, quand on est sorti de l'avion, il était en tête. Donc, quand il a brandi le trophée en l'air. Ça, c'est un moment, alors. L'aéroport, un moment spécial. Franchement spécial parce que, comme il a dit Gadji, depuis 1980, on court derrière ce trophée-là. Soit on est éliminé au premier tour, est-ce qu'on n'allait même pas souvent au deuxième tour? Donc, imaginez-vous cette victoire. Donc, il y a cette anecdote-là, mais il y a... Président ? Oui, on était... Vous connaissez les escortes ? Bien sûr, les motards et tout ça. Dans l'espace. Wow. Notre avion, autour de notre avion, il y avait 3 jets privés dans l'air. Wow. Vous êtes dans un avion et vous êtes escorté. C'était fabuleux. Et quand on est arrivé, l'accueil du président, le président, il est en bas, il nous attend. On descend, le président est là. Il est sur le tarmac de l'aéroport, en fait. Oui, il est qu'est-ce là. Qu'est-ce que ça fait quand tu sais que le président Félix Houphouët-Boigny t'attend en bas et puis tu descends, c'est lui que tu vas aller trouver. Qu'est-ce que ça fait? Tu trembles un peu. Hein, C'est inexplicable. Nous... On est né à Port-Boué, à Djamé, à Zouyen. À... On va venir, le président nous attend en bas. Ouais. Mais derrière le président, il y a tout le peuple ivoirien jusqu'au stade de Houphouët-Boigny et de l'aéroport. Quand il arrivait à 5 heures pour aller vous attendre, quand il arrivait, il n'y a plus place. Voilà. Alors, quand le président il vous reçoit, comme ça, c'est... Nous, on a représenté tous les joueurs dans sa voiture. On était... Ah, vous étiez dans sa voiture. Mais oui, bien sûr. Dans la voiture du président. Quand même. Hein. Pour traverser Abidjan.
Donc, on saluait... En président. En président. On a demandé au président même comment on salue en président. Ah ouais? Il nous a dit, on fait ça. Je t'ai dit que... j'ai une tata, la grande sœur de Ben Badi, qui me dit... Ils l'ont porté dans le quartier pendant je ne sais pas combien de jours. Et la maison, et c'est une référence, en fait, aujourd'hui. Ouais. Chez vous aussi, c'était comme ça, j'imagine. Nous, partout en Côte d'Ivoire, tous les éléphants qui ont participé à cette coupe ont eu des honneurs dans leur quartier. Et imaginez, on s'en va au stade. Après, on va à Yamoussoukro, chez le président. On nous reçoit à la basilique, avant que le président nous reçoive chez lui. Mais quand tu reviens au quartier, tu es le boss au quartier. Ah, quand même. À son temps. Et puis après, il y a eu une déclaration forte qui est sortie. Bien sûr. Villa. Et les 5 millions. Ce soir, on n'a pas une villa, on n'a pas 5 millions. On a une cafetière et un réfrigérateur à vous offrir à travers un jeu. Donc, on va y aller pour le jeu. Alors, merci. Merci. Et donc, j'ai une toute première question pour vous, le public. Hein, vous me dites quand vous sentez que vous avez la réponse. Avec Zongo, on va le faire. Hein. Je veux un micro, le micro. Mettez vos ménages en place. C'est une question qui est d'actualité. Glisse. Première question, c'est quoi le nom du capitaine de l'équipe ivoirienne? Là, franchement, c'est vos bons. Là, je ne regarde pas, et puis je donne le micro, c'est lui qui attrape, c'est pour lui. Allez. Le capitaine des éléphants. Orie Sèche. Comment se battre dessus? Ah, prends le micro. Mais tu sais que tous les femmes, franchement. Comment ça réfléchit? Tu réfléchis au micro? Donne-moi le micro. On dit, donne-moi le micro, le père. Mon frère, c'est pas par là-bas. Yannick Kessier. Bon, c'est pas... Bon, le premier. Le capitaine actuel de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est Orie Sèche. Qui a dit Sèche Orie là-bas? Tu as dit ça à quelle heure? C'est Orie Sèche, c'est Sèche Orie. Elle a dit en premier. Est-ce qu'on est d'accord qu'elle a dit en premier? Donc bah, si. Il y a deux, trois personnes qui disent qu'elle a dit en premier quand même. Donc ça oui, va. Elle a dit en premier. Donc ovation pour elle. Bah, viens. Deuxième question. Donc la première question, ça te permet de repartir avec un réfrigérateur. On l'a pas là maintenant. Je pense que tu l'auras à la fin de l'émission certainement. Mais on l'applaudit encore. Bravo. Et donc, deuxième question, tu peux aller te rasseoir. Qui était le capitaine de l'équipe en 2015 quand on remportait la seconde CAN? Il est juste là. Il dépose le micro ici, et puis c'est lui qui vient prendre la première. Ils vont faire tomber le VPR. Oui, qui a le micro? C'est toi encore. Mais les gars, il n'a pas encore parlé. Ben vas-y, qui était le capitaine de l'équipe? C'est Redier. Asseyez-vous. On va aller vers là-bas. Asseyez-vous. Attendez. Il y a donné une fille maintenant, une fille. C'est une fille qui a répondu là-bas. Bon, d'accord. Capitaine de la Côte d'Ivoire en 2015, c'est Yaya Touré. Glisse. Alors, est-ce qu'on a la bonne réponse? On continue encore. On n'avait que deux questions pour eux, donc une cafetière pour vous, monsieur. Comment vous appelez? Ok. Viens, Maka, fais quoi, Pierre? Pourquoi tu fais ça, Zongo? Il faut un piège, Junior, et je viens de la commune de Yopougon. Il vient de Yopougon, c'est un joueur! Paris City! Et je vous disais tout à l'heure, Yasmine Reda et Moulukoukou. Que sera, je viens de Yopougon. C'est Yopougon, c'est moi qui viens. C'est Yopougon. Donc la coupe va rester à Yopougon. Yasmine Reda, Moulukoukou, nous rejoindrons tout à l'heure. Enfin, nous vont nous remplacer tout simplement dans cette émission. Ouais. Le match d'ouverture, c'est pour tout à l'heure. On va remercier Thierry Joël. C'était un honneur. Président, c'est toujours un plaisir, merci, évidemment. Donc on souhaite à la Côte d'Ivoire non seulement de gagner le premier match d'ouverture, mais aussi de remporter la coupe. Et on vous remercie de nous suivre. Restez connectés, ce n'est pas encore terminé. Ce qui arrive là, ça sera le feu. Vous connaissez Yasmine Reda et Moulukoukou, non? Donc, deux fous à tout de suite. Dans la même jungle. Oui, président. Deux secondes.
depuis la Coupe d'Afrique existe, on a toujours gagné les premiers matchs. Ah! Donc, en gros, on a gagné. La Coupe d'Afrique existe, on a toujours gagné les premiers matchs. Depuis que la Coupe d'Afrique existe, on a toujours gagné les premiers matchs. Donc, ce soir, on va gagner les premiers matchs. Mouillé maillot. Mouillé. Allez, merci. Restez avec nous, restez sur NCI pour NCI Fête la Canne. A tout de suite. DJ, ambiance. DJ, Yasmine. Paquet de l'art de Los Angeles.